n'importe quoi. Maman, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu es vraiment une fille très méchante. Tu peux voir que cette méchanceté est vraiment dans ton sang. Hé! Juste regarde-toi. Ma première fille. Tu es en train d'écrire des sottises. Ta soeur est en train de travailler. Toi, tu ne veux même pas nous venir en aide. Chaque jour, je me réveille à 5h du matin. Juste pour apprêter les haricots. Juste pour que nous ayons de quoi manger. Mais toi, tu es là assise. En train d'écrire le journal de la rue. Ce que je fais n'est pas inutile, maman. C'est une lettre de motivation qui peut m'aider à avoir un bon boulot et peut-être pourrait nous aider à nourrir cette famille. Quand même. Hi. Cette fille. Maintenant, dis-moi. Quel est ce travail-là qui est meilleur plus que celui d'aider ta mère dans ses affaires? Ou soit tu ne sais pas que c'est grâce à ses affaires que cette famille survive? Moi, je ne peux plus vendre des cacao. Ça, je ne peux plus en tout cas. Ça fait bien longtemps que j'ai fait ce commerce-là. Je ne veux plus faire ça. Je veux un bon boulot. Je veux une belle vie, maman. Toutes ces choses-là. Allez, ferme ta bouche. Écoute ce que tu fais sortir dans ta bouche. Tu es une fille très stupide. Tu es vraiment stupide. Écoute ce que tu dis. C'est Akarala qui a aidé à te scolariser. L'habit que tu as porté là, c'est avec l'argent des Akarao. Tous les jours, tu manges dans cette maison avec l'argent des Akara. Sache qu'aujourd'hui, dans cette maison, tu n'auras rien à mettre sous ta dent. Comme tu n'apprécies jamais ce que je fais dans cette maison, tu ne mangeras plus ici. Adieu, moi. Maman, attends un instant. Est-ce que c'est toujours une question de nourriture? Est-ce que tout doit être une question de nourriture? Maman, mes copines qui sont en ville conduisent de grosses voitures. Elles construisent des immeubles pour leur maman. Maman, je veux t'acheter des tenues en dentelle avec les chapeaux qui vont avec. Maman, je veux t'offrir une Bugatti. C'est pour ça que j'écris cette lettre. Tout n'est pas question de nourriture. Je veux pouvoir répondre à tous nos besoins et nous sortir de cette pauvreté. Hey, tu comprends? Voilà ce que moi je veux faire. Hein? Fais-le! Grâce, sors-nous de cette horrible pauvreté. Papa, tu aimes les Range Rover, n'est-ce pas? Tu penses que c'est facile? Ou ne sais-tu pas que j'ai essayé? Hein? Tu penses que les gens vont à la cité comme ça et commencent à ramasser l'argent par terre? Dans ces pays, ce n'est pas comme ça, oh. Tout dans ces pays dépend des contacts. Et si tu n'en as pas, tu te battras seul. Les enfants de nos jours. Papa, je ne suis plus une enfant. Ce n'est pas moi que tu parles à Sœur Grâce. Je ne te parle pas. Papa, je t'achèterai une Range Rover. Vous pensez que tout dépend de ces expressions que vous utilisez, que vous ramassez d'ailleurs dans des dictionnaires. D'ailleurs, vous les utilisez mal. Regarde, la vie est plus que ça. La vie est difficile. Et si tu ne travailles pas, tu mourras. Je travaille, non. C'est même pour ça que j'écris une lettre de motivation. Ah, quitte-la. Tout ce que tu fais, c'est marcher dans tous les villages. Pour montrer aux gens que tu sais parler français. Allez, viens m'aider avec ce que je suis en train de faire. Viens m'aider. Toi aussi tu veux vivre. Allez, viens m'aider avec ce que je suis en train de faire. Bugatti, Range Rover, tu vas aimer ça. Mais même si vous ne croyez pas en ma destinée, elle s'accomplira. Paresseuse. Je suis une star. La folle. Une star qui brille. Continue ton rêve de devenir star. Ne vous en faites pas, on est là. Une fille méchante. Non, arrête ça, je ne suis pas une méchante fille. Tu n'as pas idée comment je suis contente pour toi. Ah, juste comme ça, tu as fini les études, ma chérie. Félicitations. Merci. Faisons un toast pour ça. Toast, voilà. Et en plus, j'ai une petite histoire à raconter, si vous pouvez me le permettre. C'est à propos d'une amie à moi qui a fait un rêve. Elle veut connaître le succès, elle veut réussir. Et elle vient d'une famille très, très, très humble. Maintenant, comme elle veut réussir, vous savez, elle a été mal comprise et vue comme la goélette de la famille. C'est parce que les gens peuvent généralement être négatifs, mais elle n'a pas permis à la négativité de l'affecter. Elle reste positive, elle reste concentrée, elle reste déterminée et surtout, elle reste courageuse. Et aujourd'hui, elle est ici avec nous, la diplômée de l'année, notre chère Grâce. Félicitations, une fois encore. C'est gentil, merci. Tout ce que je peux dire, c'est de croire en soi.
Grâce, ma chérie. Veux-tu me poser? S'il te plaît. Oui, oui. Cette fille stupide. Oh, donc tout ce que tu fais dans cette maison, c'est manger, n'est-ce pas? Pour l'arrivée. Ah, cette fille. Tu fais abîmer ma casserole, tu ne sais pas que c'est du métal. Allez, donne-moi. Soba. Stupide. Oh, mais maman. Oh, mais maman, tu sais que j'étais allée à l'entretien d'embauche, non? Et vous ne m'avez même pas laissé de nourriture. Comment vous voulez que je puisse survivre? Que Dieu te punisse. Que Dieu punisse ta stupide bouche. Bia, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé à aller faire l'interview. Hein? Ah, m'a dit. Moi, je t'ai envoyé à une interview. Bia, où as-tu donné l'argent à un esclave ici dans cette maison pour qu'il prépare pour toi? Je crois que tu ne me prends pas pour une esclave. Hein? Stupide. Maman, je n'aime pas comment vous me traitez dans cette maison. Oh. Ça ne me plaît pas. Hein? Tout ça parce que Dieu ne m'a pas encore béni. Tout ça parce que mes préparatifs ne sont pas encore matérialisés. Hey. Ah, mais bientôt, hein. Mais cette manière dont vous me traitez, ce n'est pas juste. Et toi, ferme ta gueule. Vas-tu la fermer avant que je la ferme avec ma main? Hein? Fainéante. Tu penses que tu vas faire peur à qui? Avec ta tête vide. C'est ma peur. Hein? Dieu va me bénir et j'aurai l'argent. Amen. Amen, mon mari. Tu penses que ceux-là qui sont devenus riches, ils les sont devenus en manquant du respect à leurs parents et les insulter? Non! Non! Regarde, laisse-moi te dire. Arrête de souhaiter l'impossible. Oh. Et aide-nous avec les travaux ménagers. Aide-nous. Ce n'est pas des affaires. Participe aux travaux de la maison. Hein? Laisse-moi te dire. Dieu a créé les pauvres pour être pauvres et les riches pour être riches. Sans effet. Je ne fais pas partie de ceux qui sont nés pour être pauvres. Je suis une star. Je connais ma destinée. Yeah. Écoute, je t'aurais compris si au moins tu avais des relations. Tu peux manquer de l'argent, mais tu dois avoir des contacts. Parce que eux, ils en ont. Maintenant, dis-moi. Depuis que tu as commencé à rêver de cette vie-là, avoir des grandes maisons, des voitures de luxe, dis-moi. As-tu déjà fait ne fût-ce que un Neira et l'amnésie? Non! Non! Ma chère, arrête de souhaiter l'impossible. Arrête! Ma soeur, laisse-moi te dire. Ce que tu fais n'a pas du tout de sens. Tu te qualifies d'une grande soeur, mais tu ne fais rien dans cette maison. Tu laisses tous les travaux à maman et moi. Quelquefois, papa nous aide. Et tu t'appelles grande soeur. Pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu dans cette maison? N'importe quoi serait né mon œil. Tu es malade? Je suis ta camarade. C'est à moi que tu parles de la sorte. Tu veux que je... Non, 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 n'ose pas. N'ose pas. Maman, laisse-la me toucher. Attends. Maman, laisse-la. Laisse-la, je vais couper sa tête maintenant. Je veux prendre ces morceaux de bois et je veux la taper maintenant même, maman. Laisse-la. Laisse-la maintenant. Pour qui elle s'est prise? Ça suffit, arrêtez ça. S'il vous plaît. Maintenant, tu as vu. Hein? Regarde ce que tu as causé. Maintenant, tu as causé des problèmes dans cette maison. Tu as finalement atteint ton objectif. Tes amis sont en train de se marier. Mais te voilà là, en train de nous créer des problèmes. S'il te plaît, quitte de chez moi. Il est temps pour toi de quitter ma maison. Oui, quitte ma maison maintenant. Moi, je connais ma destinée. Continue de rêver. Tu verras. Allô?
copine, est-ce que tu m'entends? Ma chérie, où es-tu comme ça? Je suis en route pour le campus. J'ai un test cet après-midi. Tu vas revenir ici dans combien d'heures? Allô? Oui, j'ai un test cet après-midi. Et j'essaie aussi de voir comment rassembler l'argent qui reste pour solder mon Minerval. Je sais pas. Je sais que je t'avais promis de te donner, mais... je ne saurais plus le faire pour le moment. Mais ces bancos laissaient beaucoup plein pour toi, ma chérie. Il a dit que tu ne prends pas le travail au sérieux. Celui-là, faut même pas le suivre. Ça en vaut rien. Ignore-le. Je sais pourquoi il monte toutes ces histoires. Il me veut dans son lit. Ça, c'est depuis longtemps. Hein? Tu m'entends? Ouais, il essaye de me mettre dans son lit depuis bien longtemps. Tout ce qu'il raconte là, c'est juste pour détourner l'attention. Fais pas attention à lui. Je vais le gérer. Bien. Ok, il n'y a pas de problème. Allô? Écoute ma copine, on parle après. J'ai dû arrêter la moto juste pour avoir du réseau. Tu connais bien comment mon téléphone il est. Attends. Quoi? Attends de quoi? Attends. Quoi? Grèce. 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 Attends. Laisse-moi. S'il te plaît, écoute. Ne te fatigue pas, arrête. S'il te plaît, arrête. Je ne veux rien entendre de tout ce que tu as à me dire. Ça ne m'intéresse pas. Je suis seulement venue ici parce que j'ai un test cet après-midi. Je suis juste venue pour te demander de l'argent parce que j'ai un test. Et à part ça, je suis aussi venue te demander de l'argent pour solder mon Minerval qui me reste. Hey, les filles, Denise, ça c'est un monde qui te manque. Hein? Donc c'est ça la chose qui te rend fou. N'importe quoi. Écoute, si tu... Chris, écoute, je suis très très désolé pour ce qui est arrivé, d'accord? Mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que je veux dire, s'il te plaît. Mais je t'ai quelquefois demandé de venir passer quelque temps avec moi, mais tu as toujours refusé. Maintenant, je veux que tu viennes rester un peu avec moi. Oh, Denise, ne me fais pas perdre mon temps. Je veux voir ce que je peux faire. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Ma chérie, écoute-moi. Tu n'as pas à t'inquiéter comme tu le fais là. Ce bâtard était vraiment en train de te tromper. Tu sais... Je me doutais bien que je n'étais pas la seule femme qu'il voyait dans sa vie. Grâce, tu cours toujours après lui. Tu te comportes comme un refrain d'une chanson amoureuse appelée Denis, ma chère. Comment êtes-vous des amis? Ah, mais je t'ai déjà tout raconté. Pourquoi est-ce que tu dis encore ça? Nous ne sortons pas ensemble. Oui, tu m'as tout dit, genre il te supporte, il prend en charge tes études... Il y a des temps où vous allez dîner ensemble, vous promener, faire tout ce que vous voulez faire ensemble. Mais comment est-ce que tu me dis que vous êtes juste des amis, ma chère? Donc deux personnes ne peuvent pas être amies sans que vous ne leur prêtiez des arrière-pensées? Grâce, tu dois vraiment te considérer comme une fille. Tu es fâchée. Je le vois très bien. Tu es vraiment jalouse. Je ne suis pas jalouse, je pense que j'attendais un peu plus de la part de Denis, que j'avais une très grande estime pour lui, et je ne me suis jamais imaginé que nous deux on puisse, non, je ne sais pas, mais je le vois autrement, je suis un peu déçue. Oui, c'est ça ma chérie, tu as vraiment tapé sur le point. Tu ne peux pas être déçue pour une personne sur qui tu ne comptes même pas. Tu es déçue parce que tu comptes beaucoup sur lui. Et il représente beaucoup pour toi. Tu aimes ce gars. Pourquoi tu veux te faire souffrir comme ça, ma chérie? Oh. Très bien. Je l'aime. Et je ressens vraiment quelque chose pour lui. Mais je ne veux pas que lui le sache. Mais pourquoi? Ce garçon est beau, intelligent et un bosseur. Et au-delà de tout, ça se voit qu'il sera vraiment un ange pour toi. Et il va t'emmener partout où tu voudras. Que veux-tu encore?
Qu'est-ce qui te fait même penser qu'il puisse être l'homme de ma vie? Quelle preuve voudrais-tu voir? Quelqu'un qui vient dans tes rêves et il fait des efforts pour que toi, tu arrives à aller dans tes études et que tu sois à l'aise, ma chérie. Ah, oh, c'est gentil, ça fait plaisir. Ah, grande sœur, dis-moi, ça c'est un téléphone? Oui. Eh, mon Dieu, ma sœur Grace. Attention, 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 ne touche pas, s'il te plaît. Ça va? Grande sœur Grace. Oui. J'ai une question pour toi. Donc, tu veux dire un homme qui n'est pas votre frère, il n'a aucune relation avec toi. Il t'a offert cette maison, la voiture et l'argent pour commencer un business. Aïe! Et j'ai oublié d'insister sur le fait que c'est aussi lui qui a supporté mes études. Hey! Hein? Papa et maman doivent venir voir ça. Ils doivent venir voir ça. Tu sais que papa est Simon Pierre. Il ne va pas du tout croire. Il doit venir ici. Bon, ma soeur. Hein? Pourquoi ne pas lui faire un truc pour qu'il t'aime énormément? On doit lui préparer quelque chose pour qu'il le mange. Hé, arrête avec ça, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que j'étais censée peut-être lui faire quelque chose? Tu viens à peine ici de sous-entendre que... Papa douterait, mais voilà que toi-même, tu es aussi en train de faire ça en ce moment. Ma soeur, ce n'est pas que je doute. Je suis juste dans un choc. C'est vraiment toi, Grace. Hein? Écoute, ma soeur, calme-toi. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas une course. Tu peux réaliser tous tes rêves. Je veux être comme toi, oh. Tu me comprends? Tout ce que tu as à faire, c'est de rester concentré, croire en toi-même, en tes rêves et en Dieu, bien sûr. Ça, c'est la vie que j'ai toujours voulu pour moi et j'y suis. Papa, tu aimes les Range Rover, n'est-ce pas? Je pense que c'est facile. Je peux voir que cette méchanceté est vraiment dans ton sang. Tu t'es qualifié d'une grande sœur, mais tu ne fais rien du tout dans cette maison. Je connais ma destinée. Je suis une star. Tu verras. Je vous le disais. Mais tu dois travailler dur. Ça aussi, ça fait partie de la liste. Amen. Allez, bon. Porte-toi un toast pour un meilleur lendemain. Et vivre la vie de nos rêves. Oui. Oui. Ah, comme tu es là. Retiens comment je dresse la table. Hein. Faudra que tu le fasses seule aussi. Grâce, tu es vraiment mauvaise. C'est donc comme ça que tu l'as eu en lui cousinant des très bons repas tous les jours. Je ne suis pas une mauvaise fille. Tu sais, lui, il aime les plats délicieux et il a trouvé une personne qui sache le faire. Donc, je suis pas si mauvaise que ça. Ma sœur est une bonne cuisinière. Oui, qui est-ce? As-tu demandé qui est-ce? D'accord, c'est Denise. Denise? Il est clair que tu n'as plus ce numéro. Ah, mais je ne savais même pas si ce numéro était encore opérationnel. Plusieurs fois, j'ai essayé d'appeler, mais sans succès. Ça ferait peut-être 2 ans quand tu l'as essayé. Ça fait quelque temps que je ne t'ai plus en contact, mais j'ai encore te retrouvé. Et je m'attendais à ce que tu m'appelles. Mais il est clair que tu as avancé. Oui, j'avais raison.
Je t'ai dit, tu utilises les gens pour avoir ce que tu veux. Et à la fin, tu les laisses. Et il est clair que tu m'as utilisé et m'as laissé. Ça, ce n'est pas vrai. Mais bon, où es-tu? Où est-ce que je peux te voir? Ça ne vaut plus la peine. D'accord? J'ai aussi avancé. Qui est-ce? Ce n'est personne. Rien de sérieux du tout. Rien de sérieux? Et la personne t'appelle pour ravir ta joie comme ça? C'est Denis, un vieil ami. C'est lui ton ex? Hey! Denis ne l'a jamais été. Denis! Ce n'est pas lui dont tu m'avais raconté que tu étais amoureuse avant. Dis-toi, est-ce que tu ne peux pas te taire? Hilary pourrait débarquer et je ne veux pas que nous ayons cette conversation. Dis à Denis de ne plus jamais t'appeler. Tu es une femme mariée. Boucle-la! Hey, jeune dame. Bébé! La table est déjà tressée. Assieds-toi, je t'en prie. Tu n'aimes pas ton repas? Je l'aime. Je constate juste que tu n'as fait aucun commentaire là-dessus. Bien, je pense que c'est tout. Tu ne veux pas répondre? Non, ça doit être un client. Non. Oh, je vois, ok. Qu'en est-il de ton ami Denis? Êtes-vous toujours en contact? Non, je ne le suis plus. Tu sais, j'ai demandé parce que vous êtes vraiment proche à l'époque. Et comme tu as fini avec tes études, je pense que peut-être tu vas le contacter. Parce qu'au début, tu n'arrêtais de parler de lui. Oh, voyons mon chéri. Denis, c'est mon passé. Toi, tu es mon présent. C'est avec toi que je vais me marier. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais il y avait un bruit qui courait un moment comme quoi il est parti vivre en Afrique du Sud. Je suis sûre qu'il est probablement dans un autre pays. Je ne suis pas prête de le revoir. Ouais. Donc, il n'y a rien à craindre alors. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de me dire? Grâce, mon inquiétude, c'est le fait que un jour, ce gars reviendra et ensuite, ta belle qu'il veut te voir personnellement. Et quand il te voit, il souhaite te proposer et te dit combien de fois il meurt pour toi, que c'est toi qui l'attendais et comment il t'aime tellement qu'il veut t'épouser. Peut-être, qui sait, à ton retour de chez lui, tu te tournes vers moi en me faisant comprendre que tu veux l'épouser parce que tu l'as toujours aimé. Oh, mon amour. Je t'aime, c'est pour ça que je veux me marier avec toi. Ok? Tu es mon présent et Denis, lui, mon passé. Il n'existe plus du tout à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter du tout. Je pense que tu dois répondre à cet appel, ok? Tu as beaucoup de clients, ça peut être l'un d'entre eux qui veut te dire quelque chose de très important. Sûrement, la personne a une raison d'appeler. Oh, que penses-tu? Ma soeur, vas-y, on t'appelle. Qu'est-ce que je bénéficie? Écoute, je n'ai rien à te dire. Oui, je n'ai rien à te dire. Dieu te jugera. Monsieur Samoussi, est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Merci.
Allô? 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 Pourquoi ne raccrocherais-tu pas? Toi, voleuse! Tu en veux plus? Non, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi? Je suis vraiment désolé, mais ta femme te trompe pour de vrai. C'est une situation difficile. Ça ira avec. Je les ai en fait sur. Juste vas-y doucement, ok? Tu dois vraiment avoir la contrôle de la situation, ok? Sois fort, mec, ok? Amour, c'est quoi le problème? Tu as l'air de quelqu'un. Où étais-tu, Nadia? Je ne comprends rien. Je dis, où étais-tu? Allez, Nadia. N'est-ce pas que je t'avais dit que je devais aller voir mon ami qui est dans son bureau? Pour l'aider à préparer son mariage. Est-ce là que tu as dit? Je ne comprends pas pourquoi toutes ces questions. Réponds à ma question. Madame, c'est là où tu as été? Baby, tu commences à me faire peur.
Oui. Mensonge! 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 Tu m'as dit que tu veux aller voir ton ami. Mais tu es sorti avec ton collègue qui est à l'hôpital. Et en ce moment, tu te pointes devant moi pour me mentir. Chérie, comment tu peux dire que je suis en train de te mentir? Tout ce que je t'ai dit est vrai. Arrête de me mentir, Nadia. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Donc, tu me regardes et me racontes des mensonges, quoi. Tu es pathétique et dégoûtante. Juste arrête ça. Arrête ça, Hilary. Tu ne peux pas m'accuser et me parler de cette façon. Je suis ta femme. Femme. Toi, tu dis ma femme. Attends, s'il te plaît. Regarde ceci. Vas-y, regarde ça. Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Attends. Dis-moi, ma chère femme, que ce n'est pas toi, ma femme, que je vois en train d'embrasser dans ces photos. Ne crois pas ça. Ça, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Nadia, tu dis ce n'est pas réel? Après tout ce que je t'ai fait, c'est comme ça? Tu me remercies? S'il te plaît, bébé, ne crois pas à ça. Fais-moi confiance. Tu crois? Il y a quelque chose qui ne va pas. De croire. Nadia, c'est assez dur pour moi que tu me trompes, mais tu essaies de te moquer de moi en y a cela devant moi. Femme est en train de me tromper. Encore? C'est très embarrassant. Je commence pas à penser que je suis mal chanceux quand il s'agit du mariage. Après Nadia, maintenant c'est Grâce. Je ne sais pas pourquoi la vie a choisi de me donner des hypocrites comme ça. Écoute, je leur suis toujours fidèle. Mais elle a autre choisi l'infidélité. Je suis désolé par rapport à tout ça. Mais j'ai comme l'impression que tu vois, tu les gères mal. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Quand tu es amoureux, la jalousie peut se manifester et altérer ton sens des jugements. Et elle peut te faire prendre des décisions non réfléchies. C'est ce que je veux que tu comprennes. Tu penses que je suis jaloux? Mais bien sûr que oui. J'ai attendu une conversation téléphonique d'elle avec son petit ami. Quand je lui ai demandé, elle a nié. Juste comme ça. Je pensais qu'elle est hypocrite, remplie de mensonges et méchante. Il y aura toujours une meilleure idée. Et c'est ce que je cherche. Grâce reste toujours ta future femme. Tu ne l'as pas encore épousée. Juste annule le mariage. Annule ce putain de mariage. Je ne vais pas annuler le mariage. Je suis désolé de demander pourquoi. Parce que je l'aime. Tu trouves ça si drôle?
T'es vraiment marrant, toi. Tu l'aimes? Je l'aime plus que je n'ai jamais aimé Dania. Je l'ai tellement dans mon cœur, te dire presque. Cela m'est impossible de la laisser partir. Écoute-moi. J'ai besoin de toi pour savoir plus si je suis ce mec appelé Denis. Ok. Connais-tu quelque chose à propos de ce jeune homme, du genre où il habite? À part son nom, rien. Mais je sais que je surveille ses appels. Qu'elle ne lui a pas parlé depuis qu'elle a fini ses études et son service. Jusqu'à ce qu'il a appelé hier. Mais quand j'ai posé des questions à propos de lui, elle a menti. Comme Nadia. Collins, j'ai besoin de toi pour savoir qui est ce mec. J'ai besoin de toi pour savoir jusqu'où, jusqu'à quel degré telle est la relation entre elle et ce gars. Toutefois, si tu aimerais que j'espionne ta femme, je le ferai. C'est un bon travail. J'espère que tu as le numéro de mon compte bancaire, ou soit tu veux me payer cash. Juste, va faire ton travail. Ça ira. Ma sœur, as-tu oublié quelque chose? Ok, j'arrive bientôt. Jésus! Monsieur Hilary, vous m'avez effrayé. J'ai une clé de cette chambre, donc je viens et je sors à tout moment comme je veux. Cela n'est pas du tout une raison pour les utiliser. Oh. Ok. En tout cas, je suis ici parce que je ne sais pas ce qui se passe vraiment et je veux savoir ce qui se passe exactement. Vous voulez dire quoi? Brigitte. Brigitte. Grâce n'est pas à la maison, elle n'est pas dans la boutique. Où est-elle exactement? Elle t'a dit où est-ce qu'elle va? Je crois qu'elle est partie à une de ses amies avec qui elle a fini. Elle est allée lui rendre visite. Écoute, Brigitte, tu n'as pas besoin de mentir ou de la couvrir, peu importe. Ok? Regarde ce que ton visage donne comme expression. Je suis rentré à la maison, après avoir ouvert la porte, j'ai entendu sa discussion avec ce mec appelé Denis. Et je t'ai entendu aussi lui dire qu'elle doit arrêter de parler à ce gars parce qu'elle est la future femme de quelqu'un d'autre. Tu sais, je ne suis pas un imbécile, ok? Je sais ce qui se passe. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai besoin de toi pour savoir à propos de ce Denis et me dire qui est-il, où habite-t-il, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont ensemble et pourquoi depuis un moment elle lui parle très souvent. Monsieur, vous me demandez de trahir ma grande sœur? Je te demande de sauver le mariage de ta sœur. D'ailleurs, je sais que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait. Attends. Tout ceci, c'est pour toi. Monsieur Hilary, je ne peux pas trahir ma sœur. Alors s'il vous plaît, et comme vous le voyez, s'il vous plaît, vous devez partir. Je dois m'habiller. Quelle honte. Vous deux, même pipe, même tabac, vous ressemblez. En tout cas,
tu vois cette maison, la voiture, je leur ai donné à elle. Donc, je peux les reprendre en un clin d'œil. Pour que cela n'arrive pas, assure-toi que cette conversation n'arrive pas chez elle. Bien noté, monsieur. Tais-toi! Hein? Tais-toi! Ne vous en faites pas. Vas-tu fermer ta bouche? Je ne sais même pas le vent qui t'a amené dans ma vie. Hein? C'est moi qui devrais te poser cette question-là. Parce que tu es une malchance. Tu es vraiment une malchance. Hey. Moi, une mauvaise chance. Joyce, moi, une mauvaise chance. Alors, qu'en fais-tu ici? Pourquoi as-tu coincé avec moi? Je reste avec toi à cause de la condition dans laquelle tu m'as mise. Tu te ramasses, hein? Penses-tu que je vais vraiment rester ici avec toi? Avec la vie qui se passe ici. Médiocre. Hein? Hey, Dieu! Tout ce que tu fais dans cette maison, c'est rêver des millions. Où est l'argent que tu avais gagné dans la construction? C'est où? Tu ne fais que boire les garis, matin, midi, soir. C'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu sais faire. Je ne resterai pas ici avec toi. Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Je ne veux plus de toi. Mais tu verras. Je te dis. Mais pourquoi tu restes silencieuse? Parle, non? Toi, tu aimes bien te quereller. Aya, viens voir Denise. La querelleuse. Où vois-tu? Ah, tu peux la suivre. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas le Denis que j'ai connu. Qu'est-ce qui fait que tu sois devenu comme ça? T'as mis enceinte une fille, tu te disputes et te bats avec une femme, mais depuis quand même? Grace, tu dis ceci parce que c'est facile pour toi. Hilary a tout pourvu pour toi et tout est devenu facile pour toi. Alors tu penses que c'est la même chose pour tout le monde. Les choses ne me sont pas faciles. Oui. Si tu avais voulu juste me voir, tu aurais dû venir dans ma maison. Oui. J'ai appelé ton numéro. Il était même pas opérationnel. Plusieurs fois. Et d'ailleurs, tu m'avais dit de me tenir loin de toi. Et j'ai pensé que peut-être c'était pour ça que ton numéro ne passait plus. Grace, je t'avais dit d'arrêter de m'appeler parce que je voulais être sûr si tu as le même sentiment pour moi. Oui. Si tu parles de ma ligne, je l'ai vendue pour survivre. Les choses étaient très difficiles. Je ne pouvais pas me nourrir. Je n'avais aucune autre option que celle de vendre le téléphone. Mais si tu avais voulu vraiment me voir, tu aurais dû aller dans la même maison où tu venais avant. Tu aurais dû aller pour demander d'après moi. Ça va, c'est bon. Ça ne sert à rien de se rejeter la faute. Ça ne nous fait pas avancer. Sérieux, je pense que je pourrais te donner une somme d'argent pour que tu te lances dans un business. Mais je te recommande de reprendre avec tes études. Tu me suis? Grace, j'aurais aimé reprendre mes études, mais je n'ai pas de l'argent. Ne t'en fais pas, je vais me charger de ça. Ne t'en fais pas, l'argent n'est pas un problème. Es-tu sûre? Ouais. D'accord. Quand allons-nous nous revoir? Je ne comprends pas ce qui a bien pu lui arriver. Hey, je ne sais pas ce qui cloche chez lui. Hein? Denis ne veut pas fournir des efforts, il ne veut pas s'aider lui-même. Et même quand je lui ai conseillé de reprendre avec les études, tu aurais dû voir la tête qu'il avait faite. Hein? Ma chère, je crois que tu ne pouvais pas agir de la sorte.
Je crois que le pauvre garçon avait fait de son mieux, ma chérie. C'est juste que la chance ne lui avait pas souri. Quelquefois, les hommes sont prêts à tout faire devant les hommes, même ce qui est inutile. Ils le font. Oh, nous vivons tous sous le poids de différentes frustrations. Hein? Tu sais, non? Ce n'est pas une raison suffisante pour qu'il mène ce genre de vie. Et le pire dans tout ça est que c'est... la femme qui l'a mise enceinte, une grosse feignasse. Ça se voit qu'avec elle, il n'ira nulle part. Et lui-même, on dirait qu'il n'a aucun plan pour l'avenir. Tu comprends ça? Attends, Denis a engrossé une femme? Oh, oui, oh. Comme c'est le cas, tu dois le laisser faire sa vie, ma chérie. Oui, laisse-le tranquille. C'est ça la vie qu'il a choisie, alors. Tu n'as plus rien à faire avec lui. Ce que tu dois faire, ma chère, c'est prier pour eux afin que sa femme soit en bon état pour toujours. Sinon, cela va emmener des malédictions sur ton futur. Et aussi, l'enfant peut venir avec tant de bénédictions sur cette terre des hommes. Mmh. Et sortira leur famille de la pauvreté. Tu vois, ma chérie, c'est un peu ça, tu comprends? Waouh! Qui connaît? Waouh! Hein? Donc, c'est avec cette mentalité que tu comptes aider ta famille. Je vois pourquoi tu prends sa défense. Mmh. Ma soeur, tu ferais mieux de changer de mentalité. Parce qu'avec ce genre de mentalité, tu n'évolueras pas. Ton père ne t'a pas légué une base qui te sécurise. C'est pour ça que tu te retrouves ici. Et si tu ne lègues pas à tes enfants une bonne base, ils finiront dans les mêmes conditions que toi et ce sera de ta faute. Tu dois reprendre tes études. Du courage. Bébé, je ne te comprends pas. Pourquoi tu m'attaques comme ça? Toi que les autres connaissent très bien comment je me suis abattue. J'avais beaucoup travaillé, je me suis donné corps et âme dans l'hôtel où je travaille, tu le sais bien. J'avais même donné mon corps à ce bâtard Monsieur Boncoli. Tout ce que j'avais fait, qu'est-ce qu'il m'avait donné en retour? Il m'a chassé. Que veux-tu encore que je fasse? J'ai tout essayé. Ce n'est pas que je ne t'envie pas. Je t'envie, ma chérie. C'est pas tout le monde qui a ce courage d'aller à l'école. Ce que je dois faire maintenant, c'est juste prier, ma chérie. Peut-être qu'un jour, tu vas me venir avec un bon boulot ou encore avec un bon mari. C'est possible. Donc tu veux un bon mari et le mieux que tu trouves à faire, c'est de rester là à l'attendre. Écoute, les amis servent à quoi? Je sais que ce sont les moyens qui te posaient problème, mais ça c'était avant. Maintenant je suis là. Oui, je peux te soutenir du mieux que je le pourrais. Hein? Oui. Hein? Tu devais me le dire, ma chérie. Hein? Ne me fais pas ce sourire. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai rien dit. Je te dis, je suis flattée. Je t'aime, ma chérie. Arrête de rire comme ça. Mais en ce qui concerne Denis, c'est comme s'il ne veut plus se battre. Ta sœur, je pense qu'elle est allée voir son petit ami là, n'est-ce pas? Non, elle est à l'intérieur. À l'intérieur? Dans la chambre. Brigitte, je pense que tu comprends exactement ce que toi et moi avions discuté l'autre jour. Oui, je sais. Es-tu sûre que tu n'as pas changé d'idée? Je veux dire, ce que je demande, c'est oublie ta sœur et passe-moi l'information. Et je vais te payer, même, d'acheter une voiture, si c'est ce que tu veux. Monsieur Hilary, je vous l'avais dit la fois passée, je ne peux pas trahir ma sœur. La loyauté entre les sœurs est plus forte. Merci. Qui est là? Bébé, c'est moi. Ah, chérie, c'est toi. Oui. S'il te plaît, où est ton téléphone? Mon téléphone? Oui, j'ai besoin de prendre le numéro de Monsieur Philippe là-dedans. Je ne le trouve pas dans le mien. C'est que j'ai une réunion avec lui aujourd'hui. Ah, bon. Ben, il est au salon, hein? Ok. Ok. Où exactement? Ouais, bon, sur l'un des canapés, je crois. Ok.
As-tu l'habitude? Tu as effacé toutes les informations que je cherche dans ce téléphone. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien effacé. Brigitte, Grace sort avec Denis. Ok? Et il est chargé des appels et des SMS. Pourquoi je ne peux pas les trouver dans son répertoire? Parce que quelqu'un les a effacés. Et je pense que cette personne, c'est toi. Arrête de jouer ce jeu avec moi. Tu ne vas rien trouver parce qu'il n'y avait rien du tout dedans. Écoute, ma sœur ne te trompe pas. Je pense que vous exagérez un peu. Comment oses-tu me dire que j'exagère? Ok, donc, Denis l'a appelé. Et pourquoi je ne trouve pas son numéro de téléphone enregistré sur cet appareil? En tout cas, je ne sais pas. Mais je sais que c'est sûr qu'elle n'avait pas gardé le numéro parce qu'elle ne voulait plus l'écouter. Vous voyez? Avez-vous causé à propos? Peut-être elle a masqué le numéro. Je suis certain que c'est ce qu'elle a fait. Hey! Mon téléphone! Hey! Je suis là. Alors, je dois partir. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Sauf qu'il y a quelque chose que tu veux me dire. Non, j'ai rien à dire de spécial. Non, rien de particulier. Maison. À plus tard. Hé, Sœurette, je crois qu'il sait quelque chose. Oh mon Dieu. Oh, j'espère que c'est pas ce que je pense. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Mon journal d'appel est effacé. Ma messagerie est effacée. Calme-toi. Mon Dieu, mais tu te rends pas compte de ce qui est arrivé. Je les ai effacées. Quoi? C'est toi? Pourquoi? Je l'avais entendu demander ton téléphone. Alors, j'ai sauvé les problèmes. Oh. J'ai vraiment tout effacé. Merci beaucoup. Mais attends, pourquoi voir Denis devrait être un secret? Pourquoi ne pas lui dire où est le problème? Je crois qu'il y a un problème que tu me caches. Il y a une affaire? Je n'ai pas de liaison avec. Denis, c'est juste mon ami. Alors pourquoi lui avais-tu menti la fois passée? Hilary est un homme vraiment très jaloux. Si je mentionne le nom de Denis devant lui, ça sera un problème. Je le connais. Tu comprends? Je lui ai pourtant dit qu'il n'y avait rien entre nous, mais il ne m'a quand même pas cru. Ma chère, laissons tomber ça. Je veux réessayer. Elle ne prend pas le téléphone. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Maman, attends. Allô, Grace? Oui, allô? Pas de plaisanteries. Maman demande l'argent que tu lui avais promis de lui envoyer. Hé, petite, essaie d'expliquer à notre mère que les choses ne sont pas si faciles pour moi ici en ville. Expliquez mon œil. Je ne veux rien expliquer. Parle-lui toi-même. Ta fille veut te parler. Allô? Grace. Allô? C'est moi, ta mère. Grace. Pourquoi tu ne nous envoies pas l'argent, hein? Ça fait déjà une année depuis que tu es parti à la cité, hein? Si ce que tu es en train de faire à la cité ne te permet pas de gagner grand-chose, alors rentre ici au village, hein? Viens, rentre ici, je vais m'aider avec le business d'Akrao. Ta soeur ici ne cesse pas de m'aider, oh. Et tu connais bien mon état de santé. Tu sais que j'ai mal au dos et ça me fait très mal. Je n'ai même rien pour m'acheter de médicaments. Hey, tu parles beaucoup. Donne-moi le téléphone. Allô? Oui, c'est moi, papa. Attends, s'il te plaît. Je t'avais dit que la vie n'est pas comme tu le penses. Laisse-moi te dire. Chez nous, on dit, la rivière qui a avalé l'éléphant, c'est cette même rivière-là qui l'aidait à se baigner à tout moment. Les gens ne vont pas à la cité et ramassent de l'argent, je t'avais dit. À moins que tu ne sois dans la prostitution,
grâce. Sinon, reviens dans la maison de ton père. Arrête de fuir. Arrête de fuir la maison de ton père. Reviens. Je vais te donner un mari. Je vais te donner un homme qui va t'épouser. Hé, hey, papa, je n'attends aucun mari venant de toi. Et même si j'en voulais un, c'est certainement pas un venant de toi. Tu dis? Écoute, papa, j'étudie à temps partiel. Donc le peu d'argent que je gagne, c'est pour m'aider avec les frais académiques. Donnez-moi encore un peu de temps. Je dois encore me battre, mais tout ira au final pour le mieux. Ah, arrête-moi ces bêtises. Il me faut encore un peu de temps, N'importe quoi. Grâce, tu es dans la prostitution là-bas. Tu es dans la prostitution. C'est ce que tu fais. Mais laisse-moi t'avertir. Si tu n'arrêtes pas tous ces sacrilèges que tu es en train de commettre et revenir chez moi dans 2 jours, je vais te maudire. Tes jours ne seront plus pareils. Tu vas souffrir le restant de tes jours. Je suis ton père et j'ai parlé. Dans 2 jours, tu dois revenir dans cette maison. Hé, hé, ne me dis rien. Prends. Merci. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour. Vous avez fait bon séjour? Oui. Bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Mon Dieu. Nadia, tu es une honte. S'il vous plaît, monsieur. Tu es une déshonneur. Hein? Après tout ce que je t'ai fait, après tout ce que je t'ai donné, c'est comme ça que tu me remercies? S'il te plaît, dis à ta soeur d'arrêter de m'appeler. S'il te plaît, il faut que ça s'arrête là. S'il te plaît. Monsieur, excusez-moi. Vous avez fait tomber ceci. J'ai ramassé ça sur le sol, là, à la Vraiment? Je crois que c'est à vous. Wow. Merci. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi. S'il te plaît, dis-moi, donc... Tu l'as vu, tu as trouvé de l'argent dedans et tu as choisi de me le ramener? Oui, bien sûr. Ok, merci. Comment t'appelles-tu? Grâce, mon nom est Grâce, monsieur. Ravi de te rencontrer. Et tu travailles ici? Oui, monsieur. Depuis quand travailles-tu ici? Bon, presque un an, monsieur. Je viens ici très souvent, mais je n'ai jamais vu ton visage. Bon, ce qui est vrai que j'étudie, ça doit être peut-être dû à ça. En tout cas, permets-moi d'avoir ton numéro de téléphone. Peut-être je vais te passer un coup de fil après. Non, monsieur, je vous en prie. Ça fait partie du service de l'hôtel. Ok, c'est bien. Pourquoi ne pas prendre ma carte? Non, monsieur, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas pour ça. Ça va aller. Merci, monsieur. D'accord. Denis. Avec ton plat de gari, tous les jours tu manges que du gari. Faut pas faire ça, tout excès de nuit quand même. Voyons ça un peu de près. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. Nawao pour toi? On va finir ça ensemble. Aïe. Quoi? Le seul. Oui. Il y en a beaucoup trop, c'est pas possible. Ah. Tu ne l'aimes pas? Le seul? Oui. Pas dans cette quantité quand même. Ne consomme pas de sucre. Ce n'est pas bon pour ta santé. Je te le dis. Bon, de toutes les façons, Hilary, tu sais, monsieur Hilary, tu sais que sa femme l'a trompé. Hey, les femmes. Comment une femme qui a un homme aussi bien, un homme qui l'aime et qui prend soin d'elle, et pourtant, elle va le tromper. Ce type, c'est tellement quelqu'un de gentil. C'est vraiment quelqu'un de bien. Hein? Il est beau. Et en plus, il est riche. Qu'est-ce qu'elle voudrait de plus? Les femmes. Denise, pourquoi tu me regardes comme ça? Je savais bien que je te trouverais en train de manger du gari. Attends. À partir de maintenant, voilà ce qu'on va commencer à manger. Attends. De la nourriture emportée. Ah oui, tu as commencé à répondre à nos prières. Tu sais que Monsieur Hilary a accepté de prendre ma scolarité en charge. Et avec le menton qu'il va commencer à me donner, je n'aurai plus encore à combiner avec d'autres petits boulots. Il m'a même donné cet argent et il m'a dit de m'en servir pour tous mes besoins. Donc je veux que tu m'aides un peu à garder ça. Et quand j'aurai besoin d'argent, je passerai pour en prendre.
Grace. As-tu fini? J'ai fini. Tu as fini? Oui. Merci. Je ne peux ni manger la nourriture, ni toucher l'argent que ton petit ami t'a donné. S'il te plaît. Te dis, tu te fiches de moi? Et pourquoi même tu l'appelles mon petit ami? Il n'est pas mon petit ami. Est-ce qu'un homme ne peut pas être gentil avec une femme? Laisse-moi te dire quelque chose. Aucun homme ne ferait tout ceci pour toi sans vouloir quelque chose en retour. Hey. Oh, oh, oh. Ok, bon, dis-moi, alors toi qui m'as donné toutes ces choses et qui a fait bien plus que des fois ce que je demandais, qu'est-ce que toi tu as demandé en retour? Qu'est-ce que toi tu as demandé en retour? Moi, je suis différent. D'accord? Je suis différent de tout ça. Allez, dis-toi. Rien ne peut t'échapper. Tu essaies d'observer tout. Toi? Denis, quand j'ouvrais, c'est toi le premier entré. À l'attaque. Si tu clames être différent, tu ne penses pas qu'il peut y avoir aussi d'autres hommes qui sont comme toi? En plus, je ne comprends même pas pourquoi t'es jaloux. L'autre fois là, je t'avais trouvé avec ta petite amie. Est-ce que je t'avais tué? Est-ce qu'il y avait eu mort d'homme? Donc, arrête ça. S'il y a bien quelqu'un de différent, c'est bien ce Hilary. C'est un homme bon. Ce type est vraiment très gentil. Non, c'est un homme très gentil. Et il est différent des autres. Attends. Oh, donc c'est toi qui le défends. Waouh. Il faut reconnaître. Je vois. Donc c'est toi plutôt qui tombe amoureuse de lui. Seigneur. En tout cas, écoute, Grace, mais je vois que ce que tu fais maintenant, c'est de poursuivre ce que tu veux. Quand tu l'auras eu, tu laisseras quiconque tu auras utilisé pour l'avoir. Mon temps est passé. Maintenant, c'est le temps de Hilary. Denis, arrête avec ça. S'il te plaît, arrête avec ça. Tu fais des allusions qui n'ont pas lieu d'être. Arrête avec ça. Et si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je l'aurais avoué. Il faut que tu me fasses confiance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à garder cet argent. Je t'en prie. Tu connais ma situation, mon histoire. Tu sais d'où je viens. J'ai beaucoup de choses encore à accomplir dans ma vie. La vie de couple, c'est pas une priorité pour moi en ce moment. Tu me suis? Tout ce que je veux, c'est d'en finir avec mes études et accomplir d'autres choses. Je ne veux pas de relation. Écoute, si tu dis que je suis jaloux, oui, je le suis. Et c'est à cause de l'amour que j'ai pour toi. Franchement, je t'aime beaucoup. Mais je vois que tu n'as pas le même sentiment pour moi. Oui. Tu as dit que Hilary est un homme bon, il a de l'argent et il est capable de prendre soin de toi. Ce qu'il fait déjà d'ailleurs. Pour dire la vérité, moi je ne suis plus capable de te faire quoi que ce soit. Alors pourquoi ne pas m'oublier et aller t'accrocher à lui? Si ton amitié revient à Denis, pourquoi alors es-tu marié à Hilary? Écoute, il n'y a jamais rien eu entre lui et moi. C'est juste un ami. Et tu sais, il m'a beaucoup soutenu pendant mes études. Et aujourd'hui, Denis traverse des moments difficiles en ce moment dans sa vie. Je suis son ami. Je dois l'aider à s'en sortir. Ce n'est que ça. Ok. Joyce! Joyce!
Joyce. Hein? Tu m'appelles pourquoi? Je pense que tu ne me prives pas de l'argent pour le lui donner. S'il te plaît, peux-tu t'asseoir? Il y a quelque chose que je veux discuter avec toi. S'il te plaît. Mais enlève tes mains, non? Ah ah! Alors, qu'est-ce que tu dis? Écoute, je veux seulement qu'on... Enlève tes mains, ne me touche pas. C'est quoi ça? D'accord, comme tu le vois, les choses ne sont plus comme elles étaient. Les choses sont très difficiles pour nous. Mes affaires ne marchent plus. Il nous est maintenant même difficile de manger. Alors, j'ai réfléchi et j'ai appelé ma mère et elle a accepté. Je veux que tu ailles au village pour rester avec ma mère jusqu'à ce que tu accouches. Tu sais, tu es un fou. Denise, tu es un fou potentiel. Donc c'est à cause de cette chose-là que tu déçoives, n'est-ce pas? Non, c'est parce qu'elle vient de surgir de nulle part. Tu veux commencer à me raconter des bêtises, n'est-ce pas? Pour ton information, je vais aller nulle part. Je ne veux pas. Joyce. Ah ah! S'il te plaît, je ne veux pas qu'on se querelle à cause de ceci. S'il te plaît, je ne veux plus qu'on commence par avoir des problèmes, ok? D'accord, laisse-moi te dire la vérité. Je vais retourner à l'école. Hey! Écoute, en réalité, ce que je veux faire, c'est dans l'intérêt de nous deux. Oh, Joyce, tu vas souffrir. Denise, au lieu de penser comment trouver un boulot pour assurer l'avenir du bébé, toi, tu penses comment reprendre les études? Je comprends que tu es vraiment un fou tout fait. Tu es un idiot, Moumou. Oh, moi, devenir une villageoise. Et toi, tu vas reprendre tes études et moi, je vais aller rester avec ta maman au village. Pour faire quoi? Donc, le village est vraiment mes fans, n'est-ce pas? Je le village mes fans, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça, s'il te plaît. Fais gaffe. Tu commences vraiment à jouer de moi. Fais gaffe. Je m'occuperai de toi dans cette maison, enceinte ou pas. Et comme aller habiter au village me va vraiment, on verra dans cette maison. Idiot. Continue de chômer là où tu es. N'importe quoi. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vous avais dit? Papa dit qu'il ne croit pas pour les problèmes de la maison. Et il a envoyé ça pour les compléments de tous les dossiers. Pourquoi tu ne dis rien? Ma soeur, pourquoi es-tu comme une nouvelle mariée? Eh bien, Denise a accepté de reprendre avec ses études. Donc, tu es encore allée voir Denis? Bridget, je sais que l'idée que j'aille voir Denis ne te plaît pas du tout. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Oui, Hilary m'a soutenue dans mes études. Et il a même fini par m'épouser. Mais ce que je ne t'ai pas dit, au fait, c'est que c'était bien Denis à l'origine qui me soutenait avec mes frais académiques. Ce Denis, il a cru en moi, il m'a encouragée. Il s'est sacrifié pour moi. C'est grâce à lui que j'ai pu être appelée étudiante. C'était grâce à lui. Et maintenant que la vie le malmène, je ne peux quand même pas l'abandonner. Je ne peux pas. Ou tu voudrais que je le fasse? Non, non,
Le problème est seulement que, alors si tu as des sentiments pour Denis... J'ai toujours eu des sentiments pour lui, mais ça, ce n'est pas la question. Quel que soit ce que je ressens en ce moment-ci, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui m'importe pour moi, en ce moment, tout ce qui m'importe est qu'il puisse reprendre sa vie en main. Voilà tout ce qui m'importe, voilà. C'est tout ce qui me tient à cœur. Et s'il s'agissait que je puisse lui rembourser tout ce que lui, il a fait pour moi, ce serait bien beaucoup trop. Et en parlant de reprendre avec les études, je t'ai demandé d'aller te prendre une inscription, tu ne m'as toujours rien dit. Ma sœur, avec toutes les études que tu as faites, et pour tout le sacrifice que Denis a fait, qu'est-ce que tu fais? Ton diplôme t'a-t-il aidé de faire ton business? Alors je vais aussi faire le business, moi. Si moi je me suis lancée dans mes propres affaires, c'est à cause de ce mari jaloux que j'ai. Il refuse que je travaille pour qui que ce soit. C'est ça le point. Je veux aussi que mon jaloux de mari me trouve un bon business. Et je veux faire beaucoup d'argent dans mon business, ma chère. N'est-ce pas ça? Bébé, chérie, je suis là. Chérie, tu as demandé que je vienne en urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi veux-tu toujours me faire du mal, Grâce? Je ne comprends pas. Comment? Quelqu'un t'a vu dans un endroit bizarre. Et il t'a vu là-bas plus de 5 fois avec un homme. Moi? Où ça? L'endroit que tu as l'habitude de fréquenter, tu veux que je te le dise? Regarde ta Grâce. T'as pas honte de toi? Alors qu'avais-tu répondu? Bien sûr que j'ai nié. J'étais censée lui dire quoi? Que je vois Denis? Hilary est vraiment très jaloux. Il ne pourra pas tolérer que je fréquente encore Denis. Mais attends, comment as-tu lu cette information? Ah, ma chère, je me pose aussi cette question. Je ne sais pas comment il est informé sur chacun de mes mouvements. Je commence à croire comme s'il y a quelqu'un qui lui donne des infos sur moi. Il sait partout où je vais avec Denis. Je ne sais pas comment. Oh, avais-tu pensé à ton téléphone? Oh, il a déjà fait ça, mais il n'avait rien trouvé. Et je croyais que ça s'arrêterait là. Et pourtant, il semble être très bien renseigné. C'est comme s'il y a quelqu'un, je ne sais où, j'ai ce sentiment qu'il y a une personne qui lui donne des informations sur moi. Peut-être ta jeune sœur, non? Abigail, t'es sérieuse? Comment ma propre sœur pourrait faire une telle chose? Ma chérie, ce n'est pas impossible. Ça peut se faire, c'est réalisable. Comment tu te sentirais si on me dit que c'est toi qui me fais des coups en douce? Attends, c'est juste moi et ta sœur qui connaît très bien ce problème. Alors si ce n'est pas moi, donc c'est elle. Écoute, tu te rappelles qu'une fois, il y a eu un incident dans lequel il avait presque failli m'attraper. Il a eu mon téléphone dans sa possession. Et c'était Bridget qui avait effacé mon journal d'appel et tous mes messages. Et comment expliquer que cette même personne qui me protège soit la même personne qui puisse me vendre? Ça n'a pas de sens. Je suis confuse. Je pense que tu dois vraiment arrêter d'aller voir Denis. Tu viens de dire que ton mari est très jaloux. Si tu veux vraiment sauver ton mariage, tu dois arrêter de voir Denis. C'est le conseil que je peux te prodiguer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air inquiète. Oui, je le suis. J'ai le sentiment comme s'il y a quelqu'un qui m'épie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'épie quelque part. Comment le sais-tu? Hilary sait que je te vois.
C'est juste que... il ne m'a pas confronté. Comment l'a-t-il su? Je n'en sais rien. Mais ça va, ça va. Alors comment vas-tu? Moi, ça va quand même. Alors tu as pu trouver un terrain d'entente avec ta fiancée? Oui, elle est partie au village pour rester avec ma mère. Bien. Et... pour tes études, tu ne dois vraiment pas t'inquiéter dessus. D'accord. Je sais. Tant que moi je suis là, je ferai tout ce qu'il y a en mon pouvoir du mieux que je peux. Ok? Merci. Ça va. C'est exactement ce que toi aussi tu as fait pour moi. C'est normal. Et je me sens tellement honorée de pouvoir aussi te rendre l'appareil. Parce que toi et moi savons tout ce que tu as eu à dépenser dans le passé. Oui, pour moi. Oui, je sais. Je pense que tu devrais créer ton compte. Et je te ferai un transfert demain. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Ça sera plus simple. D'accord. Puis-je t'embrasser? Oh, bien sûr. Merci. À plus. D'accord. Bye. Tu sais, si je ne connaissais pas Hilary, je dirais que c'est un homme démoniaque. Ah, ah. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est comme s'il sait tous les endroits où je me rends avec Denise. Je ne sais pas comment il fait. Ah, ah. Ma sœur, depuis quand? Tu suspectes quelqu'un? Mon Dieu, non. Je n'ai personne à suspecter. Tu sais que je n'ai pas d'amis. Tu pouvais bien les accuser. Mais tu dois faire beaucoup attention. Tous ceux qui sont derrière toi, tes amis et les amis de Denis, tu ne sais pas qui d'entre eux connaissent très bien Hilary. Tu sais, j'y ai aussi pensé. Cette histoire commence vraiment à devenir bizarre. Quoi qu'il en soit, je me rends au parc Forest pour voir Denis. Ok. S'il te plaît, si Hilary appelle, couvre-moi. Ok. Je t'en prie, parce qu'en ce moment, il est un peu partout. T'inquiète, ma chérie, je peux tout faire pour toi. Ma soeur de cœur. Regarde comment ma sœur est en train de briller comme le soleil. Ma sœur, je t'aime beaucoup. Ah, prends bien soin de toi, je t'aime. Ok. Allô? Allô? Brigitte? Ta chérie vient de quitter la maison maintenant. Elle est allée au parc voir Denis. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas t'appeler. Merci, merci beaucoup. Merci pour l'information. Je t'appellerai plus tard dans la journée afin que nous puissions nous rencontrer. Je vais te donner quelque chose. Ok. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, supprime mon appel parce qu'elle peut prendre ton téléphone et voir mon appel. Ok. Ok, merci. Bye. En tout cas, je m'en fous. Allô, Conlis? Oui. Grâce à rendez-vous avec son petit ami, Denis. Oui, au niveau du premier parking.
Ouais, alors, on dit quoi? Désolé, mais je fais plus de 30 minutes ici, je ne vois personne. Aucun signe de... Mais de quoi parles-tu? Ouvre tes yeux, mon gars. Ils sont censés être là-bas. Es-tu sûr que c'est le bon endroit? Ça, c'est quel genre de question stupide? Est-ce que je t'avais une fois donné une fausse information? Écoute, ils sont censés être là-bas. Peut-être ils ont changé le lieu de rencontre. Je suis sûr qu'elle est consciente que j'ai quelqu'un qui l'a su. C'est pourquoi, la dernière fois qu'elle l'a rencontré, elle a décidé qu'il se voit à la place du marché. Hé, hey, chérie! Ça va? T'es pas content de me voir? D'où viens-tu? De chez moi. Au fait, je suis d'abord passée par le supermarché, puis j'ai senti que mon fiancé me manquait, alors j'ai décidé de passer le voir. Es-tu sûr? Écoute, Denis, je... Waouh, Denis, vraiment? Waouh! Non, calme-toi! J'étais sur le point de dire que je ne viens pas de chez Denis si c'est ce que tu penses. Waouh! Je vais devenir ton épouse et tu ne me fais pas confiance? Tu ne me fais pas confiance et je ne comprends pas pourquoi. J'ai pas à supporter ça. N'importe quoi. Bien sûr, elle n'est pas là-bas. Bien évidemment, elle n'est pas là-bas parce qu'elle vient de rentrer ici à la maison. Elle nous a entendus au téléphone. Elle sait que je vais la rejeter. C'est pourquoi elle l'a vite quittée et s'est précipitée pour venir à la maison. Elle venait de quitter. Dis-moi, pourquoi as-tu changé d'avis? Parce que mes soupçons étaient bien fondés. Ce qui veut dire? Hilary me fait surveiller. Il a quelqu'un qui se charge de me surveiller. Et il est en train de parler à cette personne quand j'étais sur le point d'entrer chez lui. Donc, son plan a réussi. Oui, ça a réussi. Oui, ça a vraiment réussi. Alors, prends ceci. Emporte-la. Tu as un problème, dis-le-moi. Écoute ceci. C'est quoi ça? Contente-toi d'écouter. Le plus, ce n'est pas juste le fait que tu m'aies trahi, mais que tu aies choisi de te ranger dans le camp d'une personne qui est appelée à être mon mari pour travailler contre moi. Quelle était la finalité de votre plan? C'est quoi au juste le but que vous poursuivez? Et qu'ai-je bien pu vraiment te faire pour mériter
un tel traitement de ta part? Est-ce que tu as pensé qu'il romprait avec moi pour se marier avec toi? Ou est-ce qu'il y a eu un mal que je t'ai fait dans le passé que tu n'as pas pu me pardonner? Comment est-ce que tu as pu me trahir comme ça? Dis-moi pourquoi. Ok. Alors pendant tout ce temps, tu te moquais de moi. Comment tu as pu? Je dois avouer que tu as bien joué ton rôle. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai besoin de toi pour savoir à propos de ce Denis et me dire qui est-il, où habite-t-il, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont ensemble et pourquoi depuis un moment, elle lui parle très souvent. Donc vous me demandez de trahir ma sœur? Je te demande de sauver le mariage de ta sœur. D'ailleurs, je sais que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait. Attends. Tout ceci, c'est pour toi. Alors Brigitte, pourquoi es-tu ici? Y a-t-il un problème si je suis ici? Non, ici c'est mon lieu privé. J'ai décidé de te parler à propos de ma sœur. Je vais te donner beaucoup d'informations qui vont vraiment t'aider et te prouver comment est-ce que ma sœur te trompe. Et je n'ai ni envie d'une voiture, ni d'argent. Alors, que veux-tu, Brigitte? Je veux que tu m'achètes une maison. Je veux voyager. Je veux avoir une très grande boutique où je peux commencer à acheter de grands sacs, des habits, les fantaisies. Je veux dire une boutique où les grandes personnalités vont commencer à entrer à tout moment pour acheter leurs trucs. Où ils peuvent passer tout leur temps. Je veux quelque chose de très grand. C'est tout? C'est bien. Pas de problème. Tant que tu me donnes ce que je veux. Là n'est pas un problème. Je veux bien le faire. J'étais fâchée. Premièrement, tu fais beaucoup d'argent. Et avant de faire cet argent, papa et maman m'adoraient beaucoup. Ils me traitaient comme une princesse. Quand j'ai commencé à leur envoyer de l'argent, ils ont commencé à me traiter comme un petit truc. Même si je suis là, ils ne considéraient pas du tout ma présence. Alors quand tu avais dit que je vienne te rejoindre et te habiter avec toi, je ne pouvais pas fuir, alors je devais venir. Alors quand je suis arrivée ici, j'étais vue avec Hilary. Il était beau, riche, intentionné, et au-delà de tout, il t'aime énormément. Mais tu as brisé son cœur quand tu as commencé à aller côtoyer Denis. Alors j'avais pitié pour lui. Et je pensais que ça allait marcher. Waouh. 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 Alors, t'as couché avec lui? Non! Et même si tu l'avais fait, tu l'aurais reconnu? Parce que tout ce que tu as fait, c'est même pire que de coucher avec lui. Tu es censée être ma sœur, mon sang. Mais tu m'as trahi. Ça me brise le cœur, j'ai mal. J'arrive même pas à l'expliquer. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Oh mon Dieu. Ah, j'espère que tu es contente. Je l'espère. Maintenant que tu as probablement brisé ma vie de couple, tu dois être contente. Tu voudrais que toi et moi retournions sur le même pied d'égalité, n'est-ce pas? Tu n'es pas mon Dieu.
Ne t'inquiète pas pour ça, ok? Nous devons parler. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de secrets ici et nous devons parler à propos. Toi, tu es allé voir ma sœur dans mon dos. Tu l'as soudoyée pour m'espionner. N'est-ce pas? Mais comment t'as pu faire une telle chose? Sérieusement, tu te rends compte à quel point c'est tordu? Si tu avais un problème avec moi, pourquoi ne pas me le dire? Pourquoi ne pas me confronter? Pourquoi aller jusqu'à payer ma propre sœur pour me blesser? Grace, tu sors avec ton ex-petit ami, Denis. Et quand je t'ai demandé, tu as nié. Moi? J'ai juste besoin d'avoir des preuves palpables. C'est pourquoi j'ai vu ta sœur. Moi? Bien sûr. Waouh. Seigneur! Qui est-ce? Ce n'est pas moi. Je suis sérieuse, ce n'est pas moi. Je n'aurais jamais fait une telle chose. Non! Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai rien à voir avec ça. C'est toi là, n'est-ce pas? Dis-lui la vérité, je n'aurais jamais fait une telle chose. Je m'en fous de la comédie que tu joues, Grace. Je m'en fous, ok? Parce que je sais que tu es une si grande menteuse. J'étais chez toi, en train de déjeuner, quand je t'ai demandé si tu es toujours en contact avec Denis. Et tu l'as nié. Ce que tu ne comprends pas, c'est que je savais que vous parliez encore. Je savais. Je veux juste savoir à quel point tu pourrais être honnête. C'est pourquoi je t'ai posé cette question. Incroyable. Ce qui m'a tué, ce qui me fait le plus mal, il t'a appelé, tu as répondu et a eu des conversations avec lui. Et après, je t'ai demandé, tu m'as dit que c'est avec un client que tu discutais. Comment peux-tu, Grace? Comment peux-tu? Après tout ce que je t'ai fait, je t'ai enlevé de la rue. Je t'ai lavé pour l'amour de Dieu, je t'ai donné la vie. Et c'est comme ça que tu me remercies? Je suis désolée, je te jure, mais là, ce n'est pas... Tu es comme mon ex Nadia, juste comme Nadia. Les mêmes désespérés. Aucune femme ne peut pas rester avec moi sans me tromper. Mon nom c'est... T'en fais pas, je connais ton nom. Tu t'appelles Grace. C'est toi qui m'as créé des problèmes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je ne le connaissais même pas encore. Ok. Ce n'est pas de ta faute. C'est mon mari. Il m'accusait que je sortais avec d'autres hommes. Mais Dieu sait que je suis innocente. Je sais qu'en me pointant ici comme ça, c'est vous importuner, mais j'ai besoin de confirmer certaines choses de votre part. Laisse-moi deviner. Il t'accuse aussi de les tricher? Oui. Tu sais qu'on m'avait informé que mon mari devait se marier? Et j'étais vraiment choquée. Alors, je lui avais dit, c'est peut-être à cause de ça qu'il ne voulait plus de moi. Alors, à la place de me dire la vérité, il a monté des choses avec son ami. J'avais compris que mon mari commençait à me tricher et que tu sortais avec lui. Je sais. Je suis navrée, Nadia. Je ne suis pas ici pour réveiller des blessures du passé. Ce n'est pas mon but. Mais j'ai juste besoin que tu me confirmes quelque chose. Est-ce qu'il t'avait montré une photo de ce genre? C'est pour ça qu'il a demandé le divorce? Oui. Il m'a sorti une photo dans laquelle il y avait moi avec un gars que je ne connais pas. Et je ne sais pas c'est qui avait fait une chose comme ça. Qui avait monté cette photo, je ne sais pas. Mais seul Dieu connaît que je suis innocente. Mais sincèrement, je n'aurais jamais, jamais fait une telle chose. Et j'arrête pas de me demander comment est-ce que cette photo a pu être réalisée. Comment? Et il me fait attendre jusqu'à maintenant. Alors qu'il m'avait déjà proposé. Oui, tu sais, moi et mon mari, nous avons commencé, ça fait longtemps. Donc nous venons de loin, nous sommes partis du manque.
et avoir un choix aujourd'hui. Et j'espère toujours vivre avec lui. Pourquoi est-ce que tu vis comme ça? Ah, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Ce n'est pas marrant. S'il te plaît, je suis très désolé, d'accord? Je suis désolé. Ceci n'est qu'un Photoshop. Ouais. Je ne sais pas comment c'est possible. Parce que là, c'est moi. C'est vraiment moi. Ça a l'air tellement vrai. S'il te plaît, pardonne-moi. Moi aussi, je peux le faire. Et je peux même le faire mieux que ceci. Oui. Vraiment? Je suis très positif au sujet de ceci. Oui. Salut, comment vas-tu? Ah, hey, je veux bien, et toi? Oui, je vois, ça va aussi. Alors, tu es là pour l'argent? Oui, mon argent. L'argent n'est pas suffisant. Je sais, t'inquiète pas. J'ai de l'argent pour toi, ok? Ne t'inquiète pas, calme-toi. Tant que tu apportes des informations, tu seras comblé. D'accord? Je te promets. Calme-toi. Hein? Ouvrez cette enveloppe. Mais comment cela peut-il être vraiment possible? Ça a l'air tellement réel. Oui. Je te l'ai dit. Le Photoshop, on l'appelle. Je reviens pas. T'es sûr que ce n'était pas... Comment on a pu réaliser ça? Ils ont l'air mais tellement proches. Ça semble si vrai. Ceci s'appelle le Photoshop. Je reviens pas. C'est la manipulation de photos. Que fais-tu ici? Je t'ai dit que je ne veux plus te voir dans cette maison. J'ai un truc à te montrer. C'est une photo de toi en train d'embrasser ma petite sœur Bridget. Comment as-tu pu me tromper? Je... Bien. Bien. Je sais ce que tu ressens. C'est aussi la même question que je me suis posée. C'est aussi la même question que ton ex-compagne s'est posée. Comment est-ce que cela peut être possible?
Tu sais, je rends grâce à Dieu d'avoir pu me sortir de cette merde. Grâce. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis très très désolé. J'étais jaloux. Je suis très désolé. Tu as laissé ta jalousie prendre le dessus. C'en est devenu une maladie. Je pensais que tu me connaissais. Que tu me faisais confiance. Désolé. Comment tu même pensais que je pouvais te tromper, que j'en arrive jusqu'à coucher avec un autre? Bon. Faut croire que nul n'est parfait. Je sais que je ne pourrai jamais, jamais alors te rendre tout le bien que tu m'as fait. Et que je ne pourrai jamais tout te rendre, mais je vais déjà commencer par rendre la maison, la boutique et la voiture. Je t'ai vraiment aimé, Hilary. Mais je ne peux pas me marier avec toi. C'est évident que tu as un problème de confiance. Ton ex-compagne t'attend encore. Elle me l'a dit. Je te conseille de te remettre avec elle. Pour moi, pour nous, je dois mettre un terme à nous deux. Grâce. Je suis désolée. Grâce. Grâce. Comment peux-tu, Colix? Comment peux-tu faire ça pour moi? Moi? Mais qu'est-ce que je fais? Attends, sérieusement? Je t'ai payé de me faire quelque chose, Colix. Juste pour voir si ma femme me trompait, tu es allé travailler une photo. Je fais croire qu'elle me trompait. Pourtant, tout ce qu'elle est innocent. Et c'est la même chose qu'on voulait. Arrête ces bêtises, mon ami. Je veux insister que j'espionne ta femme. Et si j'avais dit que ta femme ne te trichait pas, tu m'aurais dit de continuer. Alors, j'étais obligé de le faire. Alors, c'est pas ça ce que tu voulais. Attends, sérieusement? Sérieusement, Collins. C'est la raison pour laquelle tu as détruit ma vie, ma famille. C'est ça la raison? Regarde, mon pote. Regarde. La jalousie avait envahi tout ton esprit. Et tu ne te contrôlais plus. Alors j'ai devrais faire cela pour te satisfaire. Tu comprends? Nadia, s'il te plaît, je suis très très désolé. Je souhaite juste que tu puisses me pardonner avec tout ton cœur. S'il te plaît, je les ai fait venir pour te prouver combien de fois je suis désolé et je suis sérieux. Je comprends ce que tu ressens. Je sais que tu es en colère. Et tu as tous les droits de lui en vouloir. Mais il est sincèrement désolé. Il faut que tu lui pardonnes. J'ai toujours pensé vivre ces jours. Que tu reviens vers moi pour me dire que tu es désolée. Et me retourner à la maison, reprendre de vivre comme mari et femme. Mais maintenant je sais que cela est si loin de ce que je voulais. Ma plus grande joie, c'est cette vérité. Et dès que tout le monde voit, viens. Tu avais promis de le faire. Et maintenant tu l'as réalisé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de considération pour toi. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi.
Je n'ai jamais pu enlever cet anneau de mon doigt. Ça m'est limité. Je peux le récupérer. Je peux maintenant signer les papiers du divorce. Tu sais pourquoi? Je ne peux pas épouser un homme qui ne fait pas confiance en sa femme. Un homme qui a des problèmes de confiance. D'appeler ton numéro. Même si ma soeur vient de te quitter, moi je veux rester. Ma stupide soeur est allée chez Denis. D'ailleurs, pour ton information, elle était même pas. Elle aime Denis. Alors je ne sais pas. Tu es tout seul ici. Alors j'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux seulement m'épouser? Marie-moi seulement, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît, épouse-moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais que tu es très jaloux. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Donne-moi juste l'argent. Achète-moi une maison. Achète-moi une très grande Jeep. Prends bien soin de moi. Je vais aller au village montrer les photos à mes parents. Et puis je vais revenir. Hein? Même si tu veux que je reste ici seule à la maison, quand toi tu es au travail, c'est pas un problème. Je veux rester. Épouse-moi. Je n'ai pas peur d'elle. Soyons juste ensemble. Ma sœur est vraiment stupide. Denis n'a pas du tout l'argent. Il ne sait même pas du tout s'habiller. Un pauvre monsieur. Hein? Épouse-moi. Laisse-la aller chez Denis. Et permets-moi de devenir Madame Hilary. Madame Hilary numéro 1. Hein? Monsieur et Madame Hilary. Pardonne-moi, épouse-moi.